Je vais pas faire de fausses promesses. Ouais. Donc on va affiner ça dans les prochains jours. Je pense notamment au club de sport de combat, par exemple. Mais ça va plutôt être du juin. Le journal de presque 17h17. C'est un menteur. On commence par les titres. Lors d'un déplacement dans une école de Melun, Emmanuel Macron a répondu à une petite fille qu'il allait essayer de décaler le couvre-feu, car, je le cite, 19h. C'est un peu tôt. Et oui, à force de parler aux Français comme s'ils étaient des enfants de primaire, il faut désormais lui envoyer des enfants de primaire pour que le président les écoute et réponde. On passe au régional. Marlène Schiappa va mener la liste LREM à Paris. Oh là là, la dernière fois que LREM a tenté un truc à Paris, ça s'est pas bien terminé. Franchement, je ne suis pas prêt à voir une sextape de Marlène Schiappa. Et les brèves. J'avoue que c'est mon petit plaisir personnel. Mon onanisme à moi, c'est les brèves. Pour commencer cette information qui va passionner nos auditeurs. Oui, virus oblige, les traditionnelles fêtes de Jeanne d'Arc prévues en mai sont une nouvelle fois annulées et remplacées par un hommage en petit comité et confiné. Et ouais, c'est fou de se dire que même Jeanne d'Arc ne sera pas parvenue à bouter le variant anglais hors de France. Oui, avec transition, donc maintenant Marine Le Pen. Marine Le Pen applaudit la tribune controversée d'anciens militaires publiée dans Valeurs Actuelles. Ah oui, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas Marine Le Pen, faut saluer le geste. Hein, parce... Quoi? Comment ça? Bah pardon, mais essayez d'applaudir avec le bras droit tendu, c'est une prouesse. Hein, j'ai l'impression que vous parlez que de choses qui angoissent nos auditeurs. Hein, Marine Le Pen, Jeanne d'Arc, Marlène Schiappa. C'est... Ah oui, non, mais Charline, c'est la journée spéciale hein, aujourd'hui. Mais quelle journée spéciale? Ah, on n'est pas remarqué sur France Inter. C'est la journée spéciale. Écoutez. Ok, très bien. Ouais. Aujourd'hui, sur France Inter, journée spéciale masochisme. La chasse, c'est quelque chose qui rend heureux. Ce mardi, France Inter a choisi de faire mal à ses auditeurs en programmant des invités qui font tous mal à entendre. Bonjour Willy Schren. Bonjour Laetitia Gaillet. Le patron des chasseurs était l'invité de 6h20. On n'a jamais fait de mal aux animaux. Le fait d'en tuer et de manger. À 7h50, c'était BHL. Je pense que les réunions fermées au blanc, c'est en effet moins bien. Vous souffrez? Eh bien, à 8h20, Frédéric Vidal. Alors vraiment, si quelqu'un protège les libertés académiques, je pense que c'est moi. Dans l'instant M, il y avait Bernard de la Villardière. Non mais là ça va trop loin. Aïe 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 mes oreilles, la journée spéciale masochisme, c'est aujourd'hui sur France Inter. John Rachid, je vous rassure, vous n'entrez pas dans la thématique. Vous moi, j'arrive. Cette journée. Non, je peux essayer si vous voulez. Science, à présent, Elon Musk a prévenu que des gens vont mourir en allant sur Mars. Eh ben, il m'a convaincu. Moi, c'est la grande motte, plutôt. Musique maintenant, alors que son dernier album était annoncé comme le dernier, Booba a confirmé qu'il n'en avait pas fini avec la musique. Et on souhaite beaucoup de courage à la musique dans cette épreuve. Une page cuisine, tiens, car la première pizza saveur cannabis débat à Clermont-Ferrand. La fameuse pizza cuite au feu de bœuf. C'est génial. Eh ben oui, évidemment. Bien sûr. C'est la version italienne du hashish parmentier. Ouais, bien sûr. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, celle-là. C'est des déclinaisons. C'est vrai qu'il décline aussi énormément. C'est le talent. Il décline. Ouais, il décline pas mal. De déclinaisons, pas de déclinaisons. Attendez, si vous aimez les jeux de mots, il y en a. Allez, des brèves. Il y en a encore. On a peut-être plus le temps. Alors, bref, il pète sur la police et plaide devant le juge en faveur de la liberté d'expression. Voilà. Résultat, son amende a été réduite. Un des rares cas judiciaires où le verdict et le délit auront soulager le prévenu. Et la dernière à Grenoble, le tenancier d'un bar ouvert illégalement menace les policiers avec un club de golf. Et attention, jeu de mots, quand tu veux faire fermer un bar à un amateur de golf, eh ben tu sais quoi, il gueule. Voilà, ah oui, merci Alex. Eagle, c'est le terme utilisé quand on fait deux en dessous de part. Oui, voilà. Alors, je peux vous dire que là, les golfeurs qui nous écoutent sont pétés de rire. Voilà, merci Alex. Oui, mais je récupère les lecteurs du Figaro. Qu'est-ce que vous voulez jouer? J'ai beaucoup ri. Merci Alex. Ah. Merci. Envoyez le jingle, s'il vous plaît. Voilà, merci. Seul moyen de le faire taire. Hein. Un eagle.